c'était vraiment de faire une œuvre en résonance avec cet espace circulaire. Et donc j'ai créé un disque qui est comme un réceptacle d'une nature imaginée, réinventée, qui s'appelle Transnature. C'est une œuvre totalement nouvelle, avec un logiciel dans lequel on peut mélanger des images en 3D et des images en 2D. Et en fait, ces images, elles tournent les unes sur les autres, donc elles créent des couches successives. Et donc, on a comme une nature qui flotte, qui est un peu étrange. Donc, c'est... après les surnatures, les fractal flowers, c'est vraiment une nouvelle génération qui a fait l'objet d'une installation dans les serres de Céret et qui, là, est présentée dans un autre contexte. J'espère que cette œuvre aussi a cette étrangeté, mais qui joue de la circularité de cet univers, d'une nature où tantôt on a à la fois des arborescences, tantôt on a à la fois un tourbillon de feuilles, mais l'idée c'est quand même qu'on est dans un univers un peu différent de tout ce qu'on connaît de moi autour de la nature et de l'artifice. D'accueillir ici à Chaumont-sur-Loire pour la première fois les surnatures de Miguel Chevalier, les fractal flowers et les autres créations qu'il a installées dans les écuries du domaine, parce que pour moi il était important que la dimension numérique, que le virtuel entre dans l'univers végétal de Chaumont-sur-Loire. Nous sommes un lieu avec des milliers de fleurs naturelles, de végétaux extraordinaires, mais ces végétaux imaginaires, ces végétaux qui oscillent lentement comme ceux qui sont derrière moi, sont de nature à vraiment fasciner le public qui est le nôtre. Et cette dimension-là manquait jusqu'à présent à Chaumont-sur-Loire. Je pense que les visiteurs, avec ces trois aspects de l'œuvre de Miguel Chevalier, ces fleurs qui oscillent selon le mouvement des visiteurs, qui s'épanouissent, qui grandissent, qui se métamorphosent en permanence, c'est le résumé de la vie et de la mort du végétal, et c'est une très très belle histoire de ce qu'est la vie en général.